Nantes. Nous sommes dans la Loire Atlantique, à près de 400 km au sud-ouest de Paris. Pendant que les tramways poursuivent leurs courses interminables, un jeune Camerounais, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, suscite l'admiration de tous dans les rues de la ville. Le voici, c'est Eric Daniel Djemba Djemba, l'une des pièces maîtresses du milieu de terrain du FC Nantes. Ce jeune Banin de Yabassi, né en mai 1981 à Douala, fait désormais partie de l'effectif des Lions Indomptables. Il a déjà le regard tourné vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Mali. Pour moi, en ce moment, je ne vous dis pas, c'est que le Cameroun. En ce moment, c'est que le Cameroun, franchement. Parce que partout, on en parle et tout. Donc, quitte à nous maintenant de refaire ce que les aînés ont fait en 2000 là, à la CAN. Ouais. Je crois qu'avec une bonne préparation et tout, un bon état d'esprit, je crois qu'on peut, refaire la même chose. Hein. En attendant la CAN, Eric Djemba Djemba tente avec ses coéquipiers de sortir le FC Nantes de la zone rouge. Ben, j'ai commencé à jouer dans la rue comme tout jeune Camerounais, comme tout jeune Africain. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4-5 ans. Et par contre, ma première licence, je l'ai eue à 14 ans dans le rail. Dans le rail, j'étais en junior avec Bonaventure Djonkep. Après, je suis allé au Brasserie du Cameroun. J'ai été repéré par les Brasseries du Cameroun. Je suis allé là-bas. Bon, ça s'est bien passé au début. Bon, après, j'ai eu une petite déception. Bon, à cet âge-là, c'est un peu dur. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es jeune. Tu ne peux pas comprendre comment ça se passe. Alors, je suis parti à la Cadiz Sport. Et à la Cadiz Sport, j'étais de la première promotion avec les Samuel, Moukwele, Baoken, un peu tout ce beau monde. Mais eux, étaient un peu plus âgés, disons une différence d'un an, trois ans d'âge. Alors, bon, j'ai joué là-bas, j'ai fait la Cadiz Sport en junior, la Cadiz Sport en ligue, la Cadiz Sport en deuxième division. Après, j'ai été surclassé, je suis passé à UCB. UCB, j'ai fait une saison qui n'était pas très mal. Et il y a les dirigeants de Bordeaux qui sont arrivés au Cameroun pour une détection et tout. Donc j'ai été détecté par eux. Je suis monté à Bordeaux. J'ai fait un essai d'un mois. Je suis monté à Bordeaux en janvier 98, je me rappelle bien. J'ai fait un mois et demi par là du stage. Bon, le stage était bien, il était concluant et tout. Ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Alors ils m'ont proposé un contrat espoir. Par contre, moi, les discussions, j'y étais pas. Mon problème, c'était sur le terrain. Donc, Gilbert Kadi, qui est aujourd'hui mon agent avec Pape Diouf. Donc, il a discuté avec eux. Bon, le contrat n'était pas très alléchant. Ce qu'il proposait n'était pas très, très costaud parce qu'il faut quand même vivre. Alors, il y a Nantes qui était intéressé parce qu'il y a Nantes qui passait par là. Donc, ils ont été intéressés.
Ils m'ont vu et tout. Ils ont contacté Eddie Udansky, qui était directeur sportif de la Cadet Sport, qui connaissait bien Robert Budansky, qui est directeur sportif de FC Nantes. C'est un peu deux Polonais français. Ils se sont mis d'accord. Moi, je suis arrivé à Nantes. Et à Nantes, ça s'est très bien passé. J'ai fait un stage avec eux. Et puis, j'ai signé mon contrat espoir de 4 ans. Et pendant 4 ans, j'étais au centre. Pendant la première, la deuxième année, j'étais au centre de formation. Ça s'est très, très bien passé. J'ai fait des matchs en réserve. Et puis, j'ai eu un petit pépin au genou. J'ai été opéré et tout ça. Donc, je suis revenu. J'ai été opéré en 99. 99, j'ai été opéré du genou. Mais ce n'est pas une opération en tant que telle, c'est un petit truc, le ménisque et tout. En 3 semaines, j'ai repris les coachs et tout, comme j'avais la confiance de tout le monde, les dirigeants, ils m'aimaient bien, je me suis relancé avec un moral fort. Ça s'est très, très bien passé. Alors, l'année dernière, ils m'ont proposé un contrat pro, parce qu'il me restait un an de contrat espoir, donc ils pouvaient attendre jusqu'à la fin du contrat. Mais c'était un risque pour eux parce que si j'arrivais au bout de mon contrat, je pouvais partir ailleurs, quoi, parce qu'il y avait quand même des clubs derrière qui attendaient, qui frappaient à la porte. Bon, ils m'ont proposé un contrat pro que je n'ai pas hésité. C'est quand même bien d'avoir un contrat professionnel dans son club formateur et de jouer là-bas, d'exposer là-bas. C'est une bonne chose. C'est en quelque sorte une continuité, une réussite, quoi. Alors, et puis, dès le départ, j'ai pas fait de match et tout, donc je posais mon mal en patience. Parce que j'étais jeune, tu arrives dans une équipe comme ça qui est champion et tout, avec des joueurs tels que Carrière, Darocha, Salomon, Olembe, tout ça. Donc, t'as pas la force, mais bon, tu te dis comment tu vas gagner ta place, mais avec le temps, le travail, tu travailles avec eux, ça commence à venir petit à petit. Et bon, moi, tel que je suis gagneur comme tout Camerounais, et petit à petit, j'ai eu la confiance du coach, des dirigeants, ça s'est bien passé. Ils m'ont lancé à 3. J'étais à 3. Sur le banc, mais je ne suis pas entré. Donc, ils m'ont amené à Sedan. À Sedan, je ne suis pas entré. À Eindhoven, en Ligue des Champions, je suis entré 5 minutes. C'était l'émotion, franchement. Tu suis le terrain, je me rendais pas compte. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? En Ligue des Champions, tu commences comme ça. C'est quand même quelque chose de grand, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui jouent en Ligue des Champions. C'est comme une Coupe du Monde. Pour un jeune qui débute en Ligue des Champions, c'est quand même fort. Donc sur le terrain, quand je suis entré, il y avait l'émotion, 2 minutes, il y a Salomon qui m'a réveillé. Il m'a dit, Eric et tout, donne-toi, là t'es sur le terrain, t'es plus à l'extérieur. Alors ça s'est pourtant très très bien passé. Et puis j'ai continué, ils m'ont fait jouer contre Lyon. Contre Lyon, il y a eu Marco Yafou et qui m'a. Après le match, on a un peu parlé, il m'a donné des conseils, il m'a dit que c'était bien de continuer, qu'il était content et tout. Bon, malheureusement, on a perdu là-bas, mais bon, vu que. Lyon, en ce moment, ils sont bien avec les joueurs qu'ils ont. Donc, l'équipe qu'ils ont, c'était clair qu'on devait prendre le carton là-bas, quoi. Et après, on est parti en Ligue des Champions, en Italie, à la Lazio. Et puis là-bas, je sais pas, coup de folie, le coach m'a lancé dans le bain titulaire. Et puis, j'ai pas eu peur, j'ai fait mon match jusqu'aujourd'hui, je suis dans le groupe. Donc, j'ai fait mon match petit à petit. Je le trouve de mieux en mieux parce qu'en début de saison, c'est sa première saison professionnelle, donc il y avait du mal avec Hugues Ateba à s'adapter dans le groupe. On ne savait pas quel allait être leur rôle cette saison parce qu'il y a beaucoup de poids, on est presque 30, donc il fallait que chacun se fasse sa place. Et parmi les deux, c'est lui qui a réussi pour le moment à faire sa place au niveau des 16, après au niveau des 11. Donc il fait partie maintenant du groupe restreint qui sont amenés à jouer les matchs et à se déplacer. C'est très bien pour lui. Et il a aussi été appelé à l'équipe nationale. Ça encore, c'était une autre grosse surprise et une autre grosse joie. Donc pour le moment, ça se passe bien et il est content. Donc, je sais qu'au Cameroun, on me regarde vu que c'est la Ligue des Champions et au Cameroun, ça passe. Donc, mais je vais vous dire que sur le coup, quand je joue, dans ma tête, je ne sais pas si le Cameroun me regarde ou bien si... parce que j'oublie tout, je suis concentré vraiment sur le match parce que j'ai des consignes que je suis. Donc... c'est après que je me rends compte, je me dis, hey, j'ai toute la population, tout mon pays qui me regardait et tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Il faut que le match d'après, que je fasse ça, que je sois bien, que je fasse ci. Donc, c'est bien. Pour moi, je suis content. Parce que vu qu'on me connaît déjà au Cameroun, donc, comme je vous disais, petit à petit, ça va aller. Quoi. Mes points forts, physiquement et techniquement, je suis pas mal. Donc... je suis pas mal, donc comme on dit, on joue avec ses qualités. Tactiquement, ça va venir, donc prendre mes repères sur le terrain avec l'équipe. Mais ça commence à venir. Mais par contre, techniquement et physiquement, je dirais pas vraiment, vraiment assis, mais je suis en place, quoi. Quand
quand j'ai eu le force de l'équipe nationale, j'ai été très très content parce que c'est comme un salaire du travail que tu as fourni. Franchement, l'équipe nationale pour moi c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de... Mais avant ça, j'ai fait les cadets quand même, j'ai fait les cadets avec Jean-Pierre Sadi, j'ai fait les juniors avec Ngoya Ekwam. Bon, malheureusement les espoirs j'ai pas fait parce que bon, avec la préparation de début de saison qu'on avait à faire en autouche avec les professionnels, j'ai préféré décliner parce que franchement il fallait gagner sa place. C'était la première fois que j'entrais dans le groupe et tout, donc j'étais obligé de partir. Et puis là j'ai eu ma convocation à l'équipe nationale il y a un mois, donc j'étais vraiment ravi, c'était comme un aboutissement. C'est vrai qu'il y a des grosses pointures telles que Foué, Lorraine, Anoudi, Salomon, un peu tout ça quoi. Bon ben, pour un jeune comme moi qui débute dans cette équipe, qui a d'ailleurs un très bon état d'esprit, donc ils sont des gens super bien. Et le contact, c'était bien, ça s'est très bien passé. Donc quand tu arrives dans un groupe comme ça, c'est vrai qu'il y a de grosses pointures. Quitte à toi maintenant d'attendre, prendre tes marques et tout, tu regardes, tu es attentif, tu ne vas pas dire tout de suite, il faut que je joue et tout, non. Tu regardes, tu attends, quand on te donne ta chance, quitte à toi d'être bon sur le terrain. Parce que je sais que chez nous au Cameroun, c'est pas les dirigeants, c'est pas le coach qui fait l'équipe, c'est le public camerounais. Donc quand tu es bon, ils veulent que tu sois sur le terrain. Donc moi je vais attendre, je vais regarder, dès que j'aurai ma chance, je vais essayer de l'exploiter, être là au bon moment et à la bonne place quoi. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde. Bon, l'essentiel, c'est de prendre match par match, donc compétition par compétition. Pour moi, je sais qu'il y a la CAN, la Coupe du Monde, ça vient après. Maintenant, je vais essayer de me trouver une petite place dans le groupe. Donc, essayer de trouver une petite place dans le groupe et puis après, trouver mes marques. Et quoi, je crois que petit à petit, ça va aller. Quoi. Si je suis bon sur le terrain, je crois que le coach, il ne va pas hésiter à faire appel à moi. Donc, moi, comme j'ai dit, je prends match par match. Si jamais je fais partie du groupe des 22, je vais bosser pour être dans le groupe des 16 et bosser pour être dans le groupe des 11. Donc petit à petit, comme je vous ai dit, je crois que ça va aller, mais j'espère que avec cette lancée, avec ce départ que j'ai pris, je crois pas que je peux m'arrêter, rien que peut-être par une blessure. J'ai débuté il y a 3 mois et c'est vrai que bon, je suis déjà un tout petit peu médiatisé. Maintenant, c'est à moi. J'ai la tête à ça. Donc, je ne dirais pas que je vais rester en Nantes tout le temps. Donc, pour moi, Nantes, c'est un tremplin en quelque sorte. Donc, j'ai des propositions. Mais bon, vous savez, discuter avec les dirigeants. Maintenant, c'est à moi de voir. Mais par contre, je crois que si j'ai une bonne proposition, même si c'est un grand club, si sportivement, je crois que je ne vais pas gagner quelque chose, je ne vais pas partir. Parce que financièrement, je suis jeune. Je sais que l'argent, ça vient avec le temps. Maintenant, c'est penser à jouer. Donc, pour le moment, je suis à Nantes. Je suis concentré pour le FC Nantes. Donc, après, on verra ce qui va arriver. Quoi. C'est vrai que j'ai eu Galatasaray après le match. J'ai eu Leeds. J'ai eu Newcastle. J'ai eu... comment ça s'appelle ? Valladolid en Espagne. Donc, j'ai eu ce club. Ils ont contacté le club. Ils ont contacté l'équipe. Et bon, pour moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Donc... si jamais il y a quelque chose de concret, on va me faire signe, mais je ne crois pas que Nantes en ce moment pourrait me laisser partir. C'est vrai que ça ne se passe pas très bien en championnat en ce moment, on n'a pas de réussite en attaque et tout. Mais je crois que ça va venir parce que l'année dernière, ça s'est très bien passé. À chaque coup, on mettait des buts. Donc ça marchait très très bien pour nous, on a été champions. Mais cette année, c'est un peu difficile, ça traîne. On a l'antenne rouge, et on a un peu la risée du championnat, mais je crois que ça va... Par contre, on développe un bon jeu. Oui, en Champions League, c'est vrai que ça marche parce qu'en Champions League, on s'est dit, bon, on est plus petit que les autres. On se donne à fond, si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse. Et on s'en sort pas, on s'en sort pourtant bien. Donc, je crois qu'en championnat, ça va venir. On va essayer de trouver nos marques. Il faut seulement qu'on donne le temps. Il faut que les spectateurs et les supporters qui soient avec nous. Donc, je crois que ça va passer. Un programme que le coach il a mis en place. On s'entraîne parfois les lundis matin, parfois les mardis après-midi. Donc, c'est difficile qu'on s'entraîne 2 fois par semaine maintenant, parce qu'avec les matchs, c'est un peu dur. Oui. J'ai une petite fille que j'adore beaucoup.
sa mère aussi. Donc en ce moment, les deux sont au Cameroun. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile en ce moment pour moi de vivre ici comme ça. Mais bon, c'est un choix. Donc quitte à moi de... c'est vrai que ça se déclenche. Donc d'ici peu, je crois que ma fille et sa mère seront à côté de moi, quoi. Bon, après l'entraînement, c'est vrai que je vais souvent en ville. J'étais décidé, vous savez, je suis trop musique. La musique africaine, surtout camerounaise et tout. Donc je passe plus mon temps à la maison à écouter la musique à sortir et tout, mais bon, parfois je vais chez Salomon, il vient à la maison, donc on s'entend très bien, il me donne des conseils et tout, parce que lui il est passé par là. C'est vrai qu'en ce moment ça marche pas très bien pour lui, donc mais on s'encourage mutuellement. Et c'est un grand garçon, je crois que c'est un très très bon joueur, un très très grand joueur d'ailleurs. Il a un bon moral et je sais qu'il va rebondir. Donc après les matchs on discute et tout, je vais chez lui, il vient chez moi, donc ça se passe bien. Souvent il fait les magasins. Bon, parfois je fais à manger moi-même, je suis obligé. Ou je vais, je fais souvent plus restaurant, mon cousin le fait. Donc ça va, j'essaie de m'en sortir comme ça, quoi. Je pense aux parents parce que je les ai deux fois par semaine et tout. Alors j'appelle un peu tout le monde, mes amis, parce qu'il me faut ça. Il me faut ça. J'appelle mes amis, mes parents, mes cousines, mes cousins, un peu tout le monde. Donc en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a la distance, mais on est proche par eux. Il nous appelle toujours, une fois ou deux fois par semaine, quand il a des possibilités. On parle de sa vie, on parle qu'il se conduise bien et qu'il joue plus mieux que ça, parce qu'il a choisi de jouer. Il a choisi comme métier le football. Donc il doit le suivre sans se donner à autre plaisir. Le conseil que je peux donner aux jeunes Camerounais, c'est de savoir déjà que nous, les Camerounais, on est doués. On a un talent inné. Donc, qu'ils prennent vraiment la patience, qu'ils travaillent, qu'ils soient très, très disciplinés. Parce que la discipline, franchement, ça passe partout. Mm-hmm. Si tu n'es pas discipliné et que tu es un bon joueur, tu es le roi Pelé, je ne crois pas que ici avec les dirigeants, ça ne passe pas. Il peut faire prendre un joueur moins bon, mais qui est discipliné. Donc d'être discipliné, pas malhonnête surtout, très obéissant et de beaucoup travailler. Beaucoup travailler, parce qu'il n'y a que ça, c'est la seule magie. Travailler, travailler, parce que c'est le travail qui a amené aujourd'hui où il est Jacques Songo, où il est Eric Robertson, où il est Samuel Eto'o, où il est Eric Demba, c'est le travail. Donc de continuer à travailler et de surtout respecter les parents, parce que c'est la bénédiction des parents qui t'amène où tu peux aller, il n'y a que les parents. Donc, de respecter les parents, de respecter ses aînés, de respecter les autres, de beaucoup travailler et puis de prendre les mains en patience, d'être toujours patient, parce que moi, j'ai connu ça, d'être très, très patient. Et puis après, ça, le reste suit, quoi. J'en connais pas mal ici en France, plus particulièrement à Paris. Il y en a beaucoup qui sont sans papier, mais qui s'entraînent entre eux. Bon, ça fait plaisir de voir les Camerounais s'entraîner entre eux. Donc c'est t'as la chaleur du pays, mais c'est pas, t'es au fond, t'es pas libre, quoi. T'es pas content parce qu'il te reste quelque chose. T'as pas tes papiers, tu peux pas jouer dans une équipe. Alors, donc il faut des papiers pour venir. Ouais, le problème c'est de venir dans de très meilleures conditions, de venir et de savoir ce qu'on vient faire de ce côté, de venir pour un but précis. Parce qu'il y en a qui passent, ils arrivent en aventure, ils passent. Donc c'est 10 000 qui passent. Donc c'est pas tout le monde. Donc c'est d'attendre, être au bon moment, de venir quand il le faut. Donc attendre sa chance. Donc ça me fait mal de voir des Camerounais comme ça. Pas seulement des Camerounais, des Africains. J'en trouve souvent dans la ville qui m'interpellent. Ouais, ceci, ouais, cela. C'est vrai, bon, tu peux pas, c'est normal, mais ça te fait mal quand même. Donc ce que je peux dire aux Camerounais, c'est de prendre le mal en patience, de travailler, de venir ici dans les meilleures conditions et de savoir ce qu'ils viennent chercher. Au plan sportif, mon avenir, bon, je ne dirais pas qu'il est tracé.
parce que c'est moi-même qui dois le tracer. En ce moment, ça se passe bien. Donc, moi, je pense qu'au football, en ce moment, je vis que du foot. Donc, je crois que si je continue comme ça et que je reste sérieux, je peux aller très loin. Vous avez des projets ? Ouais, bon, j'ai des projets. Quand on dit des projets, ça veut dire que je prépare mon après-football. Je commence à penser à mon après-football. Donc, pour le moment, c'est de jouer à Nantes et puis voir ailleurs, essayer d'amasser le plus possible quand il est temps.